that easily. Et lui les gens, bienvenue sur frappstesjeux.fr ou sur mon blog dissent3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de notre aventure sur Ryzen 3 Titan Lords sur PC. Ouh, c'est quoi ça? C'est rien, ok d'accord. Donc un jeu qui m'a été offert par Pelline pour Noël. Je suis actuellement sur l'île de Killa, il me semble, où nous avons découvert ce qui pourrait être un nouveau campement pirate, une construction en tout cas. On vient de récupérer auprès de lui le fragment d'épée, ce qui nous a permis de continuer une quête. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il a d'autre à nous dire. Voyons voir, qu'est-ce que vous faites à part des transactions louches? Do you do anything else besides shady dealings? I pass the time throwing knives. It frightens the rats away. Right. I always train late at night, until after midnight. If ever you fancy a game, let me know. I always like throwing for a few coins. Je vais tenter ça. Épée de corsaire, provision, rhum. Moi ben merci. Au revoir. L'épée de corsaire, ça me rapporte quoi? Attendez, je vais aller voir. Équipement, main droite. Pour l'instant, j'ai l'âme de l'ombre. Et l'épée corsaire, c'est quoi? Ouais. Bon bah écoutez, on va s'équiper de l'épée corsaire, hein. Ça a pas la même valeur. Regardez, 20, 40. Et là, on passe à 30, 60. Merci l'ami. Je vais essayer d'aller utiliser le singe un peu plus loin là-bas. Je crois qu'il y avait une tortue dans le coin, mais non. What? Oh yes. The natives will overwhelm us. Alors, butin, consommable, un singe. Their warriors are dark and their spears are deadly. Their spies know all of... Don't go getting any idea. Pierre de téléportation. Un petit coffre. Crâne de singe x1, dents, trèfle d'or, ok. Joli. Très joli, les gars. Il y a quoi par là? D'autres amis singes. Bon, celui-là, je pourrais pas l'ouvrir. J'avais pas vu ce coin-là. Bah, apparemment, je peux en faire le tour. Ah! Décidément, j'aurais tout piqué dans le coin. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? Apparemment sans plus. Ah, attendez, ici. Leur sac d'or, tant mieux pour moi. On va revenir là, on va essayer de grimper. Juste ici, où qu'il y aurait quelque chose à voir. Mais apparemment, ce n'est point le cas. On a fait le tour de ce qu'il y avait à découvrir. Je vais quand même continuer un peu plus loin par là. You stink. Non, je suis qu'un mignon petit singe. Isn't there anything to eat here? Who let the vermin in here? Don't get away from that. Don't cause any trouble. Yes, I've seen them. The spirits on this island. Their peace has been disturbed. They're creeping into our dreams. I advise you not to keep your fingers to yourself. Mais non, mon singe, est-ce que j'ai récupéré les affaires au moins? J'espère que ça me les fait gagner directement, parce que sinon je suis dans la mouise. On va voir. Ouais, poisson cru, apparemment je les ai récupérés. Faut que j'aille récupérer un singe. Comment je fais pour en avoir un du coup? Ah mais c'est bon, j'en ai plein. Histoire d'un pirate, ça je peux le déverrouiller. Ils ont quand même tué un singe. Vous vous rendez compte un peu de la chose? Je ne sais pas si c'est le cas, mais je trouve ça assez, assez agressif quand même comme façon d'agir. Tuer un pauvre petit singe. Bon, ça, c'est Red. Lui là-bas, c'est qui? Est-ce que c'est Queen ou pas? Colby. Hey, I hope you're not one of Booze's idiots. What did you say? No offense, mate. I just can't stand that bastard. He's a twat. Everyone around here lives to do his bidding, but not me. No one tells me what to do.
What's put you in such a bad mood? Well, you bet there's a reason. When we were back on Takarigua, I guarded the pirate camp. And what have I got to guard here? A pile of sand. So what? Everyone thinks the long sea voyage made me go soft. I've got to start earning some respect again. Is there a princess here that needs saving or something? How exactly did you think this was going to go? Watch your gobby twat, or my fist might just slip. Désolé, j'ai eu un retour Windows, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi se soucier de ce que les autres pensent de vous? Dites-moi comment vous êtes arrivé là. Donc Colby, maintenant je m'en souviens, c'est le mec qui a... comment dire? C'est le gars qui était effectivement à Takarigua, qui est à l'entrée de l'auberge. Ou du bar, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Why care what other people think of you? I have to. I worked really hard to get where I am. Most people who start off as water carriers end up dying as water carriers. But I've been done being a water carrier for a while now. Alors, si je propose un duel, j'ai peur de lui faire perdre la partie. Donc il sera encore plus... enfin, parce que les gens se moqueront encore un peu plus de lui. Tell me about your journey here. Bah, what's to tell? The pirate lair on Takarigua was burnt to the ground. I'm not sure who set the fire, but nothing was untouched. All the rum probably didn't help. And then what happened? Well, we grabbed what we could and licked it. We can thank our lucky stars that Steelbeard's daughter's ship was in port. So, we put distance between us and the island. After all, we didn't want to end up as charcoal. So what happened? Well, he got crazy on the voyage. Boo started a mutiny and we followed him like dumb fucking sheep. We thought he knew what he was doing. When we weighed anchor on Kilo, we split up into two groups. And that's the gist of it. Enough! Stop! I don't want to know anymore. Good. If you want more respect, I have a solution. We'll have a fight. If you win, the lads will know you still got it in you. And if you lose... Which isn't going to happen. I only said, if you lose. Yeah, just shut your gob for a moment. Hang on. I've just had an idea. Let's hear it then. Ah, I have your attention. You're gonna love this idea. You let me beat the living daylights out of you, and as compensation, I'll buy silverware off you at a premium price. I'll gain the lads' respect, and you can make lots of gold. Oh, I'll think about it. What do you want with silverware? Gold is much more valuable and practical. Well, what do you think would happen if word got out that I had gold? Right, I'd never get another wink of sleep, and I'd have the natives breathing down my neck too. But silverware is much less obvious, and it reaps in almost as much profit. I see. Are you a good fighter? At least I know how to defend myself. Just ask me if there's anything you want to know. Maybe there's something else I can teach you. Let's fight it out. All right. Remember, if you go down, I'll be buying your silverware at a bargain price. Silver plates, silver goblets. I love that stuff. Right. Draw your weapon. Yes! Faut que ça ressemble quand même à un vrai combat, sinon c'est pas juste. Rip his head off. That's it. Ah, mais si tu me soignes, ça va pas le faire, bon allez, tue-moi. Tu. Punch him in the nose. Mais qu'est-ce que t'attends, bonhomme? Rip his head off. Allez, encore un petit peu. Toi, ne me soigne pas, s'il te plaît. Encore un petit coup, Colby. Fais un effort. Oh, punaise, il va me re-soigner. Oh, ça va pas beaucoup. Punch him in the nose. Allez, vas-y. J'ai pas mon arme à la main, là. On va faire comme si, quand même. Oh là là, je vais me faire tuer. Oh là là, je suis mort. Oh mon dieu. Ouh.
Il m'a eu, il est trop trop fort. On va jamais s'en sortir. C'est quand que je me relève? Merci. Bon, maintenant on peut discuter argent, je pense, non? Now everyone will show me the respect I deserve. Here, have some rum and you'll feel fit as a fiddle. And if you want to get rid of silver goblets and silver plates, come and see me. I have some silverware here. Thanks. 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 J'avais plus grand chose, hein, mais bon. Est-ce qu'il y aurait de l'eau quelque part? Bon, ça, j'ai déjà vidé. Non, parce que ce serait un peu bête de mourir ici. Ah, on voit l'ombre du rocher qui se projette, ça c'est vachement sympa. Oui, oui, si tu le dis, je cherche de l'eau. Et apparemment, il y en a ici, parfait. Et voilà comment on récupère sa vie. Pourquoi tu es encore sur Boozer's side? Il ne prêche pas les morals et tout ça crap. Merci de m'avoir soigné. En fait, ça me redonne pas toute ma vie, ça augmente juste le maximum de vie qu'on peut avoir. I'm going to make a hat out of your skin. All right. Laisse-moi tranquille, bestiole. Voilà. Maintenant, on va pouvoir dire à nous deux. Voilà, parfait. Bonne nuit, les gars, bonne nuit. Alors, je ne sais pas combien on était au niveau de l'enregistrement avant que le jeu ne retourne sous Windows. Viens ici, ma belle. Celle-ci avait quand même réussi à mettre un ou deux coups, hein. Pas très sympa, là, mademoiselle. Bon, ça, on s'en fiche de celle-ci. On va aller explorer rapidement la grotte, quoique, je suis en train de me dire, ça se trouve, ça nous mène de l'autre côté. Ouais, donc on va d'abord explorer ceci. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des toiles juste là. Petites, petites araignées, venez voir tonton. Aïe. Quand je dis venez voir tonton, ça veut dire venez prendre votre raclée. Pas comme ça. Vas-y, on va la mettre en pièce celle-là. Voilà, c'est bon. Suivante. Raté. Un dernier petit coup. Je pensais que Bones allait mettre ce dernier coup, ce coup fatal, mais donc. Oh là là, oh là là. Ah non, ça va, c'est pas une très très grosse bestiole non plus. Bonjour ma belle. C'est le genre de bestiole que j'aimerais pas forcément rencontrer dans la réalité. Mais bon, j'avoue que je crois que je craindrais encore plus les fameuses abeilles que l'on trouve dans Seven Days to Die. Je pense que ça me stresserait plus, vous voyez, parce que ce genre de bestiole, ça a pâte. Je me dis, il suffit qu'on se trouve un véhicule, on se tire, on se barre. Sauf que là, je me dis, ces bestioles-là, elles volent. Un peu comme dans les moustiques dans Jumanji. Il me semble plus facile de fuir les araignées de Jumanji que les moustiques, vous voyez. Voilà, c'est le même principe. Il faudrait peut-être d'abord que j'aille voir Patty, en fait, au nord. Ça serait peut-être plus logique, allez savoir. Alors, qu'y a-t-il de beau à voir ici? Des bananes, ok, provisions. Il y a un truc en face, là-bas. Bonjour, monsieur le singe. Encore un de ces coffres qui n'est pas bien compliqué à déverrouiller. On prend tout, comme toujours. Mince, je me suis trompé.
Voilà. Ça, c'est fait. J'ignore si ça vaut le coup de passer en face ou pas. Non mais attendez, pourquoi je glisse là? Il y a un mur invisible. Ah, ça le fait pas ça. Et là pareil, mur invisible. Ah, c'est triste. Comment j'ai horreur de ça dans les jeux. Qu'il y ait des murs, je veux bien y croire. Des murs invisibles, c'est autre chose. Vous voyez par exemple que ça soit trop haut pour qu'on puisse se débrouiller pour atteindre la zone, je peux comprendre. Mais faut pas abuser non plus quoi. Oh. Un mur invisible. J'en reviens pas. Bon du coup, la carte, je vais aller voir ce qu'il y a dans ce coin là. Apparemment il y a une autre grotte ici, mais j'imagine qu'elle ressort par là ou pas d'ailleurs. On va aller voir là d'ailleurs ce qu'il y a, pour commencer. C'est bon, tu me suis, parfait. Get over here, you creepy crawling. Elle crache des saletés, les petites bestioles, là. Oh, comment je suis en train de déguster. Aïe. Merci de m'avoir soigné, l'ami. Pas de tout repos, hein. Ah, par contre, ça c'est moche. Regardez le crâne, c'est une image au sol. C'est triste. Fleur spirituelle, y'a quoi ici? Non, c'était juste Bones. Là, par contre, y'a du métal, du jade pour être précis. Voilà, continue à descendre. Merci pour le champignon. I'm going to crush a few skulls now. Ça va calmer la bestiole. On pourra récupérer sur elle, tant pis. In my dreams, I've often been a spider myself. The rats and frogs I ate were a real delicacy. Elle m'a eu quand même. Nicer to dream of a woman. Yes, I've been a woman too. C'est bien ce que je me disais, on est une à peine plus loin là-bas. Qui ne nous a pas encore repéré. Où est-ce que je me disais, sentait mauvais ça? Et d'où est-ce qu'elle sort la deuxième? Merci pour les soins, parfait. Ça tombait très bien. Je sais pas si j'ai eu le temps d'esquiver ou non. Voilà, ça c'est bon. Il y a encore un autre nid juste derrière là-bas. C'est pas grave. On va récupérer champignons. Et fleurs machin chose. Ça c'est là d'où je viens, je crois. On va continuer par là-bas pour voir. Voilà, comme ceci. Get over here, you creepy crop. T'as pas pu attendre que je tue ta camarade là pour me frapper toi? Elle m'envoie rien là. Oh les gars, bougez-vous. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Vas-y, soigne-moi. Oh, d'où est-ce qu'elle sort celle-ci? Ouais, vas-y, on se fait un tennis. Ah bah non.
Elle est encore vivante. Les plus. Ça c'est fait. Ok, alors ça va nous mener où cette histoire? Quel est bienvenu, très cher. Alors, savoir ancien, vieil arc. Ah, sympa! Obtenu vieil arc. Ah. Est-ce que c'est pas quelque chose que j'étais censé récupérer au niveau de mes. De ma collection? Si, vieil arc, mousquet plus 10, démodé. Totalement, oui. C'est plus le goût du jour, ça. Alors, ça continue par là-bas. Je suis où, là? Ouais, ça mène vers la sortie. Du coup, on va attendre un petit peu. On va revenir en arrière. Quoi qu'on sera obligé de repasser par ici, non? Pour revenir. Je doute qu'on puisse faire le tour par là-haut. À droite, là. Ouais. À moins qu'il y ait une... Ça m'étonnerait. Ouais, du coup, on va continuer par là. On verra bien où ça nous mène. Get over here, you creepy crawly! Let's go split a few throats. Les bestioles n'ont pas hâte de vouloir se rapprocher. Vas-y, compte attaquer à lui, tu ne bouges pas. Tiens. Au revoir à l'araignée. C'est pas parce que t'es une grosse bestiole qu'on ne peut point t'avoir. C'est vraiment, on a l'impression qu'elles sont en train de dévorer des petits trucs. Oula. Je me suis pris une méchante décharge de trucs dégueulasses. Alors, à qui appartient ce cadavre? Du moins, qui était-ce avant que ça ne devienne un cadavre? Eh ben, nous avons trouvé Douglas. Manuscrit de sort, manuscrit de sort... Looks like the work of spiders. Bah Douglas s'est fait tuer par des araignées. Pas de bol pour lui. Ce sont des choses qui arrivent. I'm going to make a hat out of your skin. Oh, il y en a une autre après là encore. Mais celles-ci aussi elles sont capables de nous cracher dessus. Hein. Vas-y, attaque-moi là maintenant. Tiens. Elle roule, l'araignée du bois, mesdames. Bonjour, autre araignée. Accepteriez-vous de mourir en atroce souffrance? Je vois que oui, vous êtes d'accord. Ouais, comme tu le dis. Oh, des petits démons. Look out! Poons is here! Allez, crabe, déjà ça m'intéresse un peu plus de vous affronter. Ceux-là, je les aime pas. Ça y est, on a fait du ménage, pas lourde. Y'a rien d'autre en dessous là? Pourtant, on dit qu'on pouvait suivre là. Bien vu, je ne vois rien d'intéressant. À part un gorille, et je suis un peu tout seul pour l'affronter, ça va peut-être pas trop le faire là. Ah, c'est bon, Bones est là. Je suis sauvé, allons voir le gorille. Ah, je crois que j'ai réussi à faire des ricochets avec un démon. Eh, il est pas efficace celui-ci là? Hein? Ça vend pas du rêve ça? Bon, allons voir le gorille. En fait, je suis pas sûr que ce soit un gorille. Waouh! Vas-y, tape! Tape!
Wow, wow, wow. Non! Depuis quand ça n'a pas sauvegardé? J'ai pas eu le temps de récupérer. Ah, ça va, je suis pas trop loin. Oh, merci la sauvegarde automatique. Merci! Alléluia! J'ai voulu faire un peu le malin et voilà ce qui arrive. Montée ou bonne? Si tu me suis, c'est bon. Oh, il fait le tour par l'autre côté, lui. Feignasse! Je veux tuer ce gorille. Wow. Merci de m'avoir soigné. Ah mais mince, je rate tous mes tirs. Bon là il va morfler le gorille, voilà. Plus 400 points, ça fait du bien. Le pilon. Puis la téléportation supplémentaire. Eh ben j'ai bien fait de venir ici, vous voyez. Donc du coup, normalement, si je regarde dans mes collections, je dois avoir le pilon aussi. Alchimie plus 10 pour... 10 plus, pas plus 10%, plus 10 points. Ne laisse plus les fines particules. Non, ne laisse que les plus fines particules. Ok. Et mon personnage semble amical. Sympa. Ah, j'ai bien fait de venir ici, donc. Bon, je n'aurais pas fait de... cette fois-ci de... de ricocher avec le démon des sables, mais bon, c'est pas bien grave. Je ne suis pas maître content d'être venu me balader par ici, en tout cas. On va aller voir l'autre côté, là-bas. J'aurais perdu un petit peu de vie bêtement, mais bon. Hey, leave some for me. Hop là, pas lourde pour moi, pas lourde pour moi encore. Suivant. Look out! Bones is here! Hop là, reste bien sur le dos, le temps que je te dépoile et c'est bon. Voilà, une bonne autre chose de faite, du coup, il me reste le fond de la grotte à explorer, hein. Y'a quoi dans ce coin? Première vue, rien d'intéressant, à part Bones. Qui n'est pas si intéressant que ça au final. Même si j'avoue qu'il m'est bien utile pour récupérer de la vie. En tout cas, je crois que j'ai largement plus de paires de téléportation que je ne suis censé en avoir. Je vérifie les coins, on ne sait jamais. Il pourrait y avoir des choses intéressantes. Ah! Y'a pas de minerai, n'empêche, dans ce coin-ci. On va redescendre vers l'embranchement, voir où nous amène la deuxième colonne, enfin comment on pourrait appeler ça. Ah, je crois que j'ai retrouvé des gens là ici. On aurait presque dit une patte géante d'araignée. Sortez les armes. Bonjour.
J'avais dit sortez les armes, pourquoi il les a rentrées? Y'a plus. Ça c'est fait. Petit champi. Finally, I get to use my weapon. Tiens, c'est moi qui donne les coups ici. T'aurais le savoir pourtant. Merci de m'avoir soigné, l'ami. T'étais parfait pour le coup. Ça tombait juste. Encore. I'm going to make a hat out of your skin. Yep, c'est le cas de dire, ça fait mal. Et la deuxième bestiole, elle est là. Get over here, you creepy crawling. Je crois qu'il y a une grosse araignée qui essaie de manger, monsieur. Tiens le coup, Bones, viens à ton aide. Et voilà. A sturdy spider's leg. It could make a good handle. Un manche, pourquoi? Voilà, j'aime quand ça s'enchaîne comme ça. C'est beau. C'est efficace. Ça vend du rêve. Ah, chasseur mort. Ça, c'est pas cool. Rien de plus dans le coin. Je ne sais point qui il est. Mais en tout cas, nous en avons trouvé un. Je crois qu'il y avait un filon de minerai, mais non. Ça, ça va encore sentir les araignées. Je suis où, là? Ah, je crois que je suis sorti trop haut de la zone. Je m'attendais pas à ressortir ici. I'm going to make a hat out of your skin. Peut-être faire gaffe là parce que. Ouais, on se calme maintenant les bestioles là. Ouh, ça c'est fait. Bizarre que je puisse pas récupérer le cristal au-dessus. Mais si en fait je peux récupérer celui-là. To crush a few. Mais chute, bestiole. Il a essayé de me soigner, on n'a pas eu l'occasion de parler. Bloody spiders. Ouais, je suis bien d'accord. Attends, il y a notre quartz là-haut. Et tu peux me soigner là maintenant? Non? C'est trop demandé? Merci. Tiens! What a waste of prime sacrificial meat! Voilà, parfait. Ça, je peux l'ouvrir, génial.
Cher petit coffre. Sésame, ouvre-toi. Un petit peu d'or ne peut pas me faire de mal. Par contre, c'est vrai que je n'y vois plus grand-chose. Hein. C'est un peu embêtant. Vous savez quoi? Je pense qu'il y a forcément un truc en face. Pas vous? On va voir. Alors 6. Very well. I'll stay here. In a great hurry, he opened the farmhouse, scurried in, and closed the door behind him. But that was when his lockpick broke. It was only the next morning that the guards of Calador noticed the small tool in the door of the house, which had been cleaned out. I see. Le passe-partout brisé. D'accord, c'est une tombe, apparemment. Des gus qui habitent ici, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée au final. Ça sent le piège, ça. Bah, t'es passé par où, Bones? Merci pour les soins, encore une fois. Aïe. Ça sent le piège, ça. Yeah! Je le savais. Heureusement que je t'ai préparé quand même. Hein. Il y a un feu en bas, on va aller voir ça. Je pense qu'on peut faire le tour par ici du coup. Cristal magique, parfait. Cristal magique, doublement parfait. Y'a quoi par là? Ah, j'ai pas vu qu'il dormait. Eh, c'est classe ça. Tiens, fais monter ta maligne maintenant. Oh putain. Tiens. What a waste of prime sacrificial meat. Ouais, je suis bien d'accord. Ok, donc ça c'est fait, c'est tout bon, c'est fini. Alors je suis désolé, je suis un peu endormi quand même, j'ai l'impression, mais bon, pas grave. On fait avec. Ça doit être lui le guerrier là-bas. Pourquoi ils l'ont appelé de dangereux alligator? C'est parce qu'on est dans la jungle? N'embête pas mon collègue. Aïe. Ça y est. Pourquoi autant de dents? Je sais pas, je ne les ai point comptés. Ça grimpe où ça? Tout ceci me rend curieux. En tout cas c'est sympa, je termine des missions, enfin des quêtes que je n'ai même pas commencées. Tout va bien. Je n'y vois pas grand chose, tant pis.
possibilité de descendre par là aussi. Demi-tour, gauche. J'ai un peu crié dans le micro peut-être là. Voilà. Alors y a-t-il d'autres crocos qui veulent danser avec moi? Non, je vois pas d'autres crocos. Watching the flow of the water has an almost hypnotic effect. I'm going to press a few spells now. Tu peux pas rester à faire la sieste là? Comme toutes les seules qui se respectent quand il fait nuit. En même temps, j'avoue que c'est moi qui suis venu te déranger. Un canard! Voilà. Canard mort. On va pouvoir se faire du civet. Quoi que c'est du civet de lapin, non? Civet de canard? Je sais pas si ça existe. Why so quiet? Mandaru is assessing you with his eyes. They will tell everything he needs to know. And what did they tell you? You are not one of the people from the shore. No, you are looking for something, and a long journey weighs heavy on your shoulders. Ça me déplaît comme des visages. Bon, sans son schtroumpf, j'aimerais bien apprendre à le faire. You've got to teach me that trick. There is nothing to teach. Have you never looked at your own reflection in the water? Take a close look at it. It can tell you many things without saying a word. In your eyes, I see your search, while the clothes on your body tell me who you are. We Tufas learn that inner peace and observation are the keys to wisdom. Inner peace and observation? Looks like you'll never be wise. No kidding. How come you know our language so well? Mandaru has met many travelers and sought words of friendship with Guchos. But everything is different this time. The Guchos on the beach are at strife. I see discord. I see that words waste time. I see that nothing is as it was. Tell me more about the tasks of a Tufa. We Tufas take from nature what she gives us, but never too much. Only what we need, and then only when it's destined for us. If a Tufa is unable to slay his prey, he leaves. Because the time hasn't come. I don't think the pirates pose any threat to you. You don't have the look of the hunter. Even the smallest animal will defend itself if it feels threatened. We Keela may be superior, but we will still suffer pain. If nothing happens, Mandaru fears that Gaia will be soaked in blood. Et j'imagine que Gaïa, c'est notre chère terre, n'est-ce pas? Why don't you share the water with the pirates? You expect us to share something with them that derives from life. Yet the only thing they are willing to share with us is death. Oh no, as long as we cannot trust, Asali will refuse entry to the spring. Never hunt in the jungle at night. It will hunt you. Ok, merci de l'information, je m'en vais. Je suis moi maintenant par rapport à la... Qu'on va traverser ici. Je suis passé par là tout à l'heure, ok. On va éviter d'aller trop loin dans les ruines, je pense. J'imagine que ça c'est un village. C'est quand même vachement grand hein, par là. Hein. J'aimerais bien aller au nord pour essayer de repérer notre collègue. Mais j'ai l'impression qu'il va nous falloir passer dans ces grottes là. Vous voyez, est-ce que là, il y a un trou ici? On va essayer de retourner à la zone de base, quand même. Un canard! Ouais. Toi, par contre, tu vas préférer ne pas te déranger. Conclusion, les singes griffus gardent des canards. Bah alors, achevez-le!
Merci. Ah! Du jade qui traîne en plein milieu de la cascade, c'est génial. Encore, faut croire que les gens d'ici en jettent dans la nature pour essayer de faire des vœux. Il tue un canard. Bonjour madame. Kapusheku Gucho. Well, if you're asking, I wanted... Silence! You Guchos take for yourselves what Gaia has granted us. Our livestock, our water, and our oro. Oro? What the fuck is that? Oro are golden stones from the mountain. Guchos have great greed in eyes when Asali brings news of oro. We Kila need stones for jewelry and to appease the ancestors. Calm down. I don't want your livestock or anything else. Big talk. Gucho steal where they can. If you want proof, go to our village. Our Tonkas have caught one of you. Soon, he will be sacrificed to our oracle. Tell me more about the prisoner. Asali does not know much about this Gucho. Wrong eyes, wrong words. Go to our village if you want to know more. Okay. Just trust me. I won't hurt you. If only I could look into your heart. If it is pure, then you speak the truth. We could tear it out. No, we won't do that. There's gotta be an easier way. Bring Asali a token of friendship and I will trust you. Asali will also permit Guchos to get water from here. Now, about that symbol of friendship. What does the symbol of friendship look like? Working that out is part of your trial, Gucho. Oh, come on, give me a bloody clue. Daono Kabuki Shika Kachi Oro. What the fuck? Was that supposed to be the clue? Chi. Great. I'll bring you a symbol of friendship. Jala, jala. The Hike will be watching you. What do you think of this golden bowl? Owamba. Big kipawa. Tawulele Gucho? You get the bowl, I gain your trust. Deal? Chi. Here it is. Tawonga, but tell me, was it your bowl? I stole it from one of the pirates. Kapo Gucho, stealing is taboo and bad omen. Oh well, the guy probably stole it himself. Basavi, I will ask the Hike to grant you forgiveness. Gaia will provide for everyone from now on. Kapo Guchos, take as much water as you can carry. Gaia is looking upon you favorably. Parfait, et directement derrière, je vais complètement vider un coffre. Tout va bien. Je suis tout à fait honnête, n'est-ce pas? Il recommence à faire jour. Oula. Ah ben les porteurs 2 sont mis en route. Damn it, go bother someone else. Alors du coup ça va où ici? Ça remonte là où j'étais passé, ok. Oh mince, je t'avais pas vu, excuse-moi. Mais comment il a fait pour remonter celui-là? On était en train de se faire maltraiter par des singes. C'est bon, il n'a plus. Oh punaise, encore des araignées.
Deux en plus. Elle va se calmer la bestiole là. Ça sent pas très bon tout ça là. Tiens. Saleté de bestiole. Merci pour les soins. Du coup, on va suivre les porteurs d'eau. J'espère qu'aucun d'eux n'aura été tué. Ça m'ennuierait beaucoup. Normalement, non, j'imagine bien qu'ils sont invincibles quand même. I'm going to make a hat out of your skin. Pas encore morte. C'est bon. Encore un canard. Non, toi tu seras le survivant. Donc non, je ne veux pas aller tout de suite ici. Ok. Ça c'est du tronc. J'ose à peine imaginer ceux qui sont un peu plus loin. Ils doivent être immenses. Ah. Par moi, il y a une bestiole en bas qui me veut du mal. Petite, 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 où es-tu? On dirait un gorille qui dort. Non? Oh, les phoenix! Parfois, on aurait terminé deux quêtes d'affilée quand même. Can you walk? Attends, attends, je voulais fouiller. Je peux pas? Non. Bon, non, tant pis. Et toi, je peux pas? Non plus. Par contre, si je peux récupérer leurs œufs, ce serait cool. C'est pas des petits œufs. Firebird eggs. This is exactly what Harry was talking about. Parfait, parfait. Donc on va aller voir ça. S'il y a ou non. Je t'avais oublié lui. Enfin, je t'avais oublié toi. Est-ce que je peux se regarder avec ça? Oui, c'est bon. Éloigne-toi, mon grand. Un dernier petit coup, et il n'y a plus de gorille. Non, descends pas, descends pas, descends pas. Oh, si c'est bon, t'as rien à me donner, donc tu peux y aller. Je te laisse partir. Rien ici, rien là. Ça pourrait sentir bon, le trésor, ici aussi, n'est-ce pas? En tout cas, il est plus pratique d'explorer la jungle de nuit. C'est sympa, le décor, là. Et donc, ainsi... Espérer que toutes les bestioles seront en train de faire une sieste. C'est fait quoi qui te fait tout ce bruit? Je vais peut-être plus grimper là-haut. Y'a quoi là? Pas un ami. J'aime pas quand ils me foncent dessus parce que j'ai beaucoup plus de mal à les esquiver. Non mais merci le porteur d'eau, désolé c'était pas fait pour te taper. Ouais, vermine comme tu dis. En même temps c'est pas sa faute, c'est moi qui me suis mis trop près d'elle alors qu'elle est en train de dormir. J'ai aucun respect pour la vie animale, vraiment. C'est terrible mon jeu. Merci pour les soins. Oh,
Il en reste encore un, mais j'arrive pas à s'enrouler. Aïe. Ouais, c'est bon, on les a tous eus. J'adore éliminer tout le monde comme ça parce que ça rapporte des points. Mais bon, c'est triste pour Gaïa, comme on pourrait le dire. En même temps, ce sont des bestioles un peu dégueulasses. Dans le sens où elles attaquent les humains, tout ça. Enfin, là, c'est plus moi qui suis venu les déranger encore une fois. Get over here, you creepy crawly! Une de moins, suivante. Oh, vas-y, t'arrêtes pas. Oh, c'était beau. Il va falloir que je pense à m'arrêter quand même, parce que je sais plus combien j'étais au niveau de la vidéo précédente, avant que ça coupe. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo-là. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller courir les vidéos de mes camarades filmeurs sur frappstjeux.fr ou sur mon blog itison3.fr. Passez une agréable fin de journée et à ciao tout le monde. Salut !